Voilà, on est venu juste vous dire bon courage. Et surtout ce qui est important, c'est ce que vous avez mis ici là qui va ressortir. Non, il ne faut pas regarder la voisine, le voisin. Non. Vous regardez votre document et puis vous concentrez sur ce que vous avez enregistré toute l'année. J'espère que ça va, hein. On est prêt, fin prêt. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Puisque on va commencer aujourd'hui. Notre souhait est que ces examens se passent dans de très bonnes conditions, aussi bien sur le plan de l'organisation, sur le plan du déroulement, sur le plan sécuritaire, afin de nous permettre de passer à une autre étape. Comme je vous ai dit, il y a deux situations dans le Sahel, comme dans le Nord. Vous vous concentrez uniquement sur le Sud, mais dans le Nord aussi, à Caen, il y a des élèves qui n'ont pas composé, etc. Donc il y a deux situations. Il y a des situations où il y a des élèves qui composent aujourd'hui dans le Soum. Il y a des élèves qui vont composer la session donc, spéciale que nous organisons à leur attention. Donc ils suivront des cours d'appoint, des cours de rattrapage, des cours de renforcement avant de prendre part. Donc il y a deux cas d'élèves aussi bien dans le Sahel que dans le Soum. Donc il y en a qui composent aujourd'hui, il y en a qui vont composer dans des délais qu'on vous communiquera. Non, la session spéciale se fera à tout moment. Comme je vous ai dit, il y en a qui n'ont pas composé pour des raisons sécuritaires. Donc à partir de ce moment-là, nous avons développé des stratégies qui sont en train de se dérouler sur le terrain pour leur permettre de prendre part à une session d'examen à un moment donné. Je ne peux pas dévoiler cela puisque c'est lié à des questions sécuritaires. Voilà, donc on vous demande de nous faire confiance. En temps opportun, on viendra ensemble pour que vous puissiez constater que ces candidats-là sont en train de composer. À la session, on fera le point d'ici là, sinon au niveau du Soum, que ce soit le CEP, le BPC et le BAC, etc., ils sont un peu plus de 3000 candidats concernés par ces examens-là. Mais on fera le point, parce que la stratégie est en train de se déployer, c'est au démarrage des activités, on fera le point de ceux effectivement qui prendront part. Il y a certaines zones où des candidats ont souhaité prendre part aux examens qui commencent aujourd'hui. Donc pour ces candidats, nous leur avons demandé donc de s'engager par écrit à prendre part. Parce que si vous prenez part à ces examens, vous ne pouvez pas prendre part à une session spéciale. Donc ça, tout ceci là mis ensemble, nous permettra donc de pouvoir avoir le nombre exact. Mais sinon, ça concerne certains élèves donc du Soum, de la région du Sahel, certains élèves de la région du Nord.